Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Final Fantasy X 2 et Jiro Master. Dans l'épisode précédent, nous sommes arrivés à Porto Quilica pour en apprendre un peu plus sur les tensions qu'il peut y avoir entre la Ligue des Jeunes et Neo Yevon. Tensions qui sont bien sûr au centre d'une super sphère, une awesome sphère, visiblement gardée à l'intérieur du temple de Neo Yevon. Du moins, c'est ce que pense la Ligue des Jeunes, et donc la guerre est en train de frapper au sein d'une forêt de Quilica sous tension. Et nous, on va voler tout ça, bien entendu. Ah, on est en danger face à des salauds de ce genre-là. Ici, on va prendre direct ça. Et on va faire carapace tout de suite. Sans tarder. Voilà. Parce qu'on en a besoin de la carapace. Un monstre qu'on met 10 ans à battre, à peu près. Que de phénix, cool. Mais qui donne potentiellement pas mal de thunes si on fait voler des guilds. Et ça, c'est cool. 500. Pendant qu'on a volé ce qu'on voulait voler, on va prendre ça. On aura une pain un minimum résistante. Et on est parti pour une série d'attaques. Avec bien sûr Iku qui continue de soigner. Qui va devoir soigner un peu plus d'ailleurs. Peut-être falloir que je fasse un émousse quand même. Baisser un peu la force. Ça devienne plus gérable pour les soins. Ok. Maintenant on enchaîne prière, attaque. Et on devrait être bon. Va nous refaire un slam. Yuna qui a eu plutôt mal. En l'occurrence. Énorme. On a gagné un nu magique. Avec Pain en tant que guerrière, des queues de phénix en plus, c'est cool. Alors, voyons voir. Compétence de Pain en guerrière. Maintenant que Anu Magique a été appris, on peut abaisser l'esprit ou la constitution. Charge, il y a Fury, c'est un peu chaud. On pourrait apprendre les trucs là. Avoir des attaques élémentaires ou baisser les stats des ennemis. Baisser les stats, ça me paraît pas mal. Notamment constitution. Donc je voterai bien pour ça. Derrière, est-ce qu'on a besoin d'objets? Oui. Yuna qui a besoin de potions. Et on va pouvoir rééquiper les jobs habituels. Ah, là, Riku, c'est moitié mage blanc, moitié chanteuse. Selon ce qu'on rencontre. Du coup, je pourrais laisser potentiellement mage blanc tant qu'on rencontre des gros trucs. Mais contre eux, par exemple, il vaut mieux avoir... Non ! Tant pis pour le vol, on va essayer de tuer la guêpe. Énorme. Parce que je comptais sur Yuna pour tuer la guêpe. Mais bon, c'est pas grave. Qu'elle dorme donc. Chope de la popo. Choper quelques guilles. 68, ouais, c'est pas non plus la folie. Enfin, c'est bien, mais
Est-ce que ça vaut les 2 MP? Je ne sais pas. J'ose espérer que oui. Alors. The four great elements heed my call. Premier coup, deuxième coup, ça devrait suffire. Cool, on a appris breakdance. Potentiellement très fort si les ennemis ne sont pas tous immunisés à stop. Hop. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre en compétence à l'ami Riku? On peut lui apprendre sommeil. Ou on peut lui apprendre à faire ça. J'aimerais bien savoir si ça, du coup, ça l'a fait danser ou pas. Ou si c'est juste une augmentation de stats qu'elle fait un coup. Et du coup, si on a un petit peu de temps entre deux danses, on peut faire ça. Bon, on va prendre chant de soutien, c'est bien. J'ai envie de voir ça. Ensuite, par où on passe? Ah, peut-être un coffre par là. Ok. Ok, cool. Potion. I need this more than you. Vas-y, arrête de parler, vole. Cool. Après, il y a un temps de canalisation sur le sort, mais j'ai tellement pas l'habitude. Nice. Excellent. Vous entendez des voix derrière les arbres. Voulez-vous jeter un œil? Bien sûr. Bien entendu. Nous sommes dans l'espièglerie la plus totale. Comment tu as encore oublié le mot de passe? Ça fait 50 fois que tu nous fais le coup. Je suis désolé. Ah, t'as vraiment aucune mémoire. Ouvre bien tes oreilles et tâche de t'en rappeler cette fois. Lorsque le nombre de gardes est impair, le mot de passe est singe monteur. C'est noté. Faut-il aller à pied? Oui. En revanche, lorsque le nombre de gardes est pair, le mot de passe est singe grimpeur. C'est bien compris? Gare à toi si tu oublies encore. J'ai déjà tout oublié. Quand tu vas oublier. J'imagine qu'au milieu il doit y avoir un problème de type beaucoup de gens. Alors. Est-ce que je peux voler le chocobo s'il vous plaît? Y'a rien à voler. Oh! Je suis tellement déçu. Tellement de déception vis-à-vis de ce chocobo. On va se rabattre sur eux, hein. Choper des popos si possible. Deux sorts sont passés. Bout de bonbon. Excellent. Chant de soutien appris. Ça va vite quand il n'y a que 10 points au lieu de 120 pour apprendre la compétence. Ah, ça va fort vite.
Ensuite, Riku. Champ de défense, augmente la constitution. Bah oui, écoute, vas-y. Apprends donc tous ces trucs. Ah, c'est comme ça. Hein. Potion. Cool. Ouh. L'arceau purifié qu'on a esquivé. Beaucoup de dégâts pour pas grand chose. Heureusement qu'on chope de la popo, on va pouvoir en utiliser derrière. On va choper les giles. Cool off. Si tant est que ce soit possible. Brasier plus a été appris, excellent. Je pense qu'après ça va partir sur H2O plus machin. Quoi, on va laisser ça tranquille. Non, on va regarder. On va regarder parce que je vais être sûr que ça part sur les trucs qui m'intéressent. Parce que c'est clair. Yuna, H noir. Glacier plus. Oui, il y a Brasier X aussi. Attaque élémentaire de feu. Est-ce qu'on apprend tous les plus avant d'apprendre les X? Ça pourrait être pas mal quand même. Excellente esquive. J'ai pas besoin de m'intéresser à la guêpe tant que elle endort personne avant que je fasse mon premier sort. Globalement ça. I need this more than you do. Oh, on va avoir une sphère de sauvegarde, récupérer toute notre vie. To the goodie, oh! Proto qui meurt. Ok, il était... Immunisé. Immunisé contre... contre obscurité. Ça fait mal. Est-ce qu'il l'est aussi contre stop? Oh, il y a du poison aussi. Il a pris champ de défense. En poison, c'est toujours actif, hein, par contre. Il me semble. Entre les combats, c'est ce qu'on nous avait dit. Oh, level up. Vu qu'on a une sphère là, ça va pouvoir l'enlever. Est-ce qu'on le voit d'ailleurs? Oui, on voit qu'il y a un truc poison. Donc si on fait ça... Par contre, là, ça l'enlève. Énorme. Sensationnel, c'est de la balle. On va classer, faire auto... Voilà. Ça nous met bien. Proto Chimera qui font plutôt mal, hein, mine de rien. Ils sont assez rapides aussi. C'est un bon compromis rapidité et atomisation. Ils sont 4. Qui que vous soyez, vous devez donner le mot de passe. Je crois que c'est grimpeur. Quand ils sont 4. Très bien, vous pouvez y aller. Montez au temple. Merci beaucoup. Le mot de passe, ils sont 3. Donc c'est monteur. C'est bon, allez-y. Oh, ils nous ont donné des potions et tout. Allez, courage les gars.
Le mot de passe. 1... 1, 2... Ils sont combien? Ils sont 4? Ils sont 4 ou il y en a un qu'on voit que dans un certain angle? Je crois qu'ils sont 4. C'était quoi? C'était... Grappeur? S'ils sont 4? Ouais. Ah merci! Oh, ils sont en mode tiens pour un éther, courage. Ah! Et ils ont l'air d'être 3. Le mot de passe! Mais il faut pas tirer avant de demander! Monteur. Répétez-nous le mot de passe pour voir! Ils sont 5. Donc ça reste monteur. Allez mec. Ether plus, merci les gars. Et la planète créature abyssale. Oh. Ils sont tellement à fond pour nous aider. Créature abyssale. Cette planète est imprégnée du pouvoir de l'eau. Ça donne absorbe eau et H2O. C'est le même principe que celle-là, mais version aquatique. Ah, le fond change. Là, on a une espèce de démon de feu ifrit. Et là, on a une créature abyssale. J'avais pas beaucoup regardé les trucs à l'arrière. Premier pas, y'a rien. Position d'attaque, c'est un paysage. Là aussi. Démon de feu, c'est une espèce de ifrit. Là, c'est une espèce de créature abyssale, comme porte le nom. Tempore toxique, c'est un morble. Un behemoth sur talisman solaire. Brise guérisseuse, un paysage. Et réviviscence, c'est quoi ça? Un temple? Ça ressemble à un temple. Je sais pas ce que c'est, mais ça ressemble à un temple. Ok, bon, on a un truc pour l'eau, quoi. Et non. Which is why I keep telling you. Shut up. Just give us the sphere and we'll be on our way. I don't know what you're talking about. Hey, I found the sphere! Ah. There you have it. What's that? Mais est-ce qu'ils l'ont trouvé échoppé ou pas du tout? I had a little something prepared for just such an occasion. Nice knowing you. Ah oui. On est sur du Alitus Moria. On est sur des eaux brisées. Oh, il est plus petit que dans la cinématique, hein. Alors, le golem V00 qui fait très mal, visiblement. Alors, on va lui mettre... est-ce que je peux lui mettre ça? Ça marche. Ok, d'abord. Double attaque. Ah, visiblement, ça ne marche pas là-dessus. Ok. Ok, non. On va lui mettre une queue de phénix. Ça fait mal. Magie blanche, carapace. Ça déjà, ça va faire du bien. Alors ensuite, objet, potion, Riku. Toi tu vas faire danse aveuglante, comme ça il n'y a que la double attaque qui passera. Qui est le pire truc, mais bon, c'est pas grave. Hand it over. Ouais, faudra peut-être que j'essaie le stop plutôt, d'ailleurs. Il fait tellement de coups critiques, c'est de la balle. Oh, il se prépare à faire du Rocket Punch. 1200, oui. Ça fait stop. Ah oui, il enchaîne, d'accord, il s'en fout, il est comme ça. Danser. Est-ce que je peux faire breakdance sur lui? Ce serait trop beau, je pense, mais on va quand même tenter. Ah, il la garde. Ok, heureusement qu'on a eu carapace, énorme. Ok, c'est bon, on est toujours là. Toujours présent, toujours la banane. On va faire ça, on va faire chanter, on va augmenter la constitution de nos alliés. Ok, on est toujours là. Toujours la banane.
Attends. On va faire un soin sur Pain. Faire un champ de soutien. Haricot. Au beau milieu du truc. Et non. Hop, maintenant qu'on a fait pas mal de protection, on va partir là-dessus. Sur le combo guerrier mage blanc. On devrait être bon, je pense. Entre les carapaces, les champs de soutien. Je pourrais faire Emousse aussi. On va le faire au prochain tour de Pain. Oh, un Z qui veut dire zéro. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est là. Oh, juste quand il était en train de courir vers le truc. Je ne dirai rien. Just what do you think you're doing? Actually, we're sphere hunters. So. Go Wings, let's go. Sorry, Donna, the sphere is ours. C'est le Celsius. Oui. Prenez la sphère et cassez-vous. Fin de l'acte 1. Ah, terminé l'acte 1. Donc le pourcentage scénario, ça doit être pour le jeu entier. Poignée de fer. Et bientôt 20 000. On a 16 000 là. Yes. Albatros a obtenu un chapitre de l'histoire d'un familier. Gagné piège SP. Ah, je le garde. Alors, je sais pas trop ce que c'est que ce chapitre de l'histoire de machin, là. Mais il est très content. Parce que je croyais que les chapitres des familiers, on les avait en combattant avec eux. Du coup, c'est un peu étonnant ce que vous me dites là. Ça va sûrement nous remettre aussi pas mal de petites missions secondaires, le fait de changer d'acte. Ça va être plutôt sympa. They weren't all that happy. Huh? Don't forget that notoriety can be a bad thing. So what? I want to have fun! Just make sure you don't do anything to land us in hot water, okay? Aww. Where's the fun in being plain old regular sphere hunters? Yeah, what she said! Oh no. What? Tel frère, telle sœur. Whenever Riku and brother agree, bad stuff happens. That can't be good. Est-ce qu'on avait gagné? On avait gagné une palette? Non. On avait gagné des trucs? Qu'est-ce qu'on avait gagné? Ah non, on a gagné un accessoire, je crois. Je gagne des trucs, vous savez. J'oublie direct après. Là, papa, papa. Esprit bombo, attaque élémentaire de feu. Attaque élémentaire de feu. J'imagine que esprit de bombo, ça doit être plus puissant que bout de bombo. La papa la pa. Donc équipement. Équipement bien entendu. On va redonner. Boule de
chanteuse, ici le rôle de voleuse. Et équipement toujours. donc qu'est-ce qu'on avait gagné là? Poignée de fer, augmente la force de 10. On a eu ça. Et là on a quoi? On a force et constitution de 5, force et constitution de 10. Donc en fait ça me fait 15-15. Plus de force. Je suis tenté de donner plus de force. Même si constitution ce serait plutôt pas mal aussi, mais bon. On va mettre le poignet de fer. Poison et sommeil. Je continue d'hésiter. Une constitution qui augmente aussi. De 15 du coup. Est-ce que ça vaut le coup par rapport à la défense poison et sommeil? Je pense que oui. On va garder ça. On va garder ça, ça me semble bien. Ça me semble très bien. Oula, tout le monde est en train de courir. J'ai un peu peur. Voilà, papa. Et on va s'arrêter là pour cet épisode Final Fantasy X 2 et Geo Master. Dans le prochain épisode, nous allons bien sûr commencer l'acte 2 et tout ce que ça peut engendrer. D'ici là, portez-vous bien. Bye.